Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter un Pulse en 3D papillon. C'est de mécanique, c'est pour les plus de 14 ans et au niveau intermédiaire. Bon, ceux qui ont l'habitude, voilà, au niveau de l'âge, c'est pas très grave. Derrière, vous avez les conseils en français aussi, ce qui inclut, pas inclus, donc pas inclus forcément la colle, hein, puisque c'est devenu interdit. Donc il faut savoir que sur je l'ai trouvé chez Action pour la somme de 3,99. Il y avait aussi d'autres modèles. Je crois qu'il y avait un Airship et je sais plus l'autre modèle, mais comme j'en ai déjà pas mal, j'ai l'habitude d'en faire, je voulais essayer ce kit. Donc j'ouvre, je vais regarder tout d'abord si les planches sont pas cassées, si il y a vraiment pas de soucis avec les planches. Il faut savoir que sur les planches, vous avez toujours en plus des petits morceaux en plus. Ça reste du balsa et très fragile, donc des fois quand on détache les pièces, eh ben, ça peut se casser. Donc là, voilà, ils ont mis, donc vous voyez, il y a le papier à poncer qui vous servira tout le long de la maquette. La notice en recto verso, c'est une très très grande feuille. Vous voyez qu'il n'y a que les numéros, il n'y a pas d'écriture pour ainsi dire. Donc il faut vraiment prendre son temps et de bien regarder le sens des pièces quand vous les emboîtez. C'est important. Et aussi la face, vous avez une face qui est un peu aussi avec des motifs au laser, un peu brûlé. Donc voilà, il faut bien faire attention de ne pas les mettre à l'envers. Donc voilà, c'est parti, let's go pour la maquette.